Mes messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour la suite de Idols. Avant de commencer, oui, je suis malade. Donc, vous risquez d'entendre un peu des bruits de fond de mon nez. Même moi, ça m'énerve, ok. Donc, je peux rien y faire. Hein. C'est moi qui cours à 8h du matin en sport dès le début de la journée. Donc, voilà, quoi. Du coup, on s'est arrêté avant d'aller voir sur Star parce que j'en pouvais plus de filmer parce que ben j'avais filmé 2 épisodes à la suite. C'est très fatigant et j'étais très fatiguée. Du coup, ça faisait un peu n'importe quoi et j'ai décidé d'arrêter là. Donc, je vais un peu mieux malgré le fait que je sois malade. Donc, on va continuer. C'est parti. Lorsque nous atteignons la porte de service qui mène vers les entrailles du bâtiment et les loges. C'est j'ai bugué à cause des entrailles, Shuman, mais c'est quoi cette description? La silhouette d'un agent de sécurité nous barre la route. Mais derrière, celle de manager Ban se profile également. Il court. Il nous sourit quand il voit que nous arrivons déjà à sa rencontre. Venez vite, Colin m'envoie vous chercher. Avec sa permission, nous passons donc à côté de l'agent qui ne nous arrête pas. À nouveau, j'ai la sensation d'être une vraie VIP ultra privilégiée, ou bien de ne pas être réveillée. Au choix. Nous suivons Manager Ban dans les couloirs, dans l'autre sens à présent. Le concert vous a plu? Non, c'était nul. Non, mais vous me saoulez avec cette question conne, genre. C'est fou. Bon, on va dire oui, 3 fois oui. Hein. Manager Ban rit à mon enthousiasme. La joie et la bonne humeur est présente. Ah, mes oreilles, ça m'a fait marre. J'avais le son un peu trop fort. Ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait d'accepter de vous donner ces places. N'hésitez pas à... Si vous voulez... Ouais. Dis pas des mots difficiles, hein. J'ai pas la tête à ça, ok. Si vous voulez, récidiver. Manager Ban sourit encore. Et je vois bien à la tête de ma cousine qu'elle est enchantée. Je n'hésiterai pas si le groupe m'en fait la demande. Ce n'est pas grand-chose et si elle leur fait plaisir ainsi qu'à vous. Merci beaucoup. Manager Ban nous guide dans les corridors, un véritable dédale où je ne sais pas si seul j'aurais pu retrouver mon chemin. Nous voici arrivés aux loges dans lesquelles les membres de Star Star doivent être en train de se changer ou de se détendre. On va dire ça. Je freine donc des 4 fers jusque devant la porte. Est-ce qu'on risque pas d'aller déranger si jamais ils se reposent? C'est mon frère qui nous a apparemment fait chercher, donc j'imagine que non. En effet, vous pouvez y aller sans risque. Il y a de toute façon plusieurs loges, donc si certains veulent souffler en toute intimité, ils peuvent s'y retirer. D'accord, alors. Manager Ban pousse la porte et nous suivons une fois encore. Nous tombons sur une pièce vide. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ils viendront se désaltérer ici une fois qu'ils seront changés, ça ne prendra pas longtemps. Claire et moi tirons des chaises sur lesquelles nous asseyons en attendant pendant que Manager Ban va voir les garçons. Ginny et Imchan nous retrouvent les premiers, vêtus de tenues décontractées et les cheveux humides. Ils nous sourient tous les deux avec gentillesse avant de se servir d'eau. Ça vous a plu? Vous avez profité du spectacle? Non, on a dormi. Ah, ben, question con, réponse con. Oh oui, beaucoup. Mon frère va bien? Oui, je pense. Non, très mal. Il est en train de crever. Non, mais... Il est un coup d'œil interrogatif à une chaîne tout en portant son verre à ses lèvres. Oui. Cette incertitude me fait... rire. Moi aussi, un vrai inquiète, j'écoute les questions de Claire à Imchan. Ce dernier penche un peu la tête sur le côté, l'air lui aussi inquiet à présent. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce qu'à un moment donné, durant le concert, il avait l'air de ne pas aller bien du tout et de devoir s'appuyer sur toi pour tenir debout. Oui, c'est vrai, je crois qu'il était un peu à bout de force. Claire fronce aussitôt les sourcils. Comment ça? Il a très peu dormi la nuit dernière. L'arrivée de Manager Ban coupe la conversation. On va bientôt y aller. Ginny et Imchan nous informent qu'ils
alors qu'ils vont chercher leurs affaires. Oh, j'en peux plus, hein. Ce téléphone, comme greffé à sa main, Madurban nous regarde Claire et moi. Maintenant, le groupe va aller passer le reste de la soirée au spa pour se relaxer. Si vous le souhaitez, comme vous êtes de la famille, vous pouvez nous accompagner. Colin l'a à nouveau suggéré. Avec stupeur, je me tourne d'un coup vers ma cousine et passe automatiquement au français. Au spa ? Dans les pommes publiques ? Oula, j'ai lu très vite. Un tour. Oh là là ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis... Ah ! Un truc qu'on fait super souvent ici. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Et je peux pas m'empêcher de m'exclamer aussi embarrassée que stupéfaite. Un endroit où tout le monde est obligé de se mettre complètement nu en public. Tiens, comment c'est le chapitre 7? Non, je rigole, on va pas s'arrêter là. Chapitre 7, dans le grand bain. Claire me tapote l'épaule en riant. T'emballes pas comme ça, Mina-chan. On est tous nus dans certaines parties de l'établissement. Oh non, c'est... je me souviens d'un truc. Je me souviens d'un truc que j'avais galéré à la censurer parce que je n'ai pas de version censurée, moi. J'avais complètement oublié. Du coup, je disais, on est... j'ai lu ça. Ok, comme les vestiaires, les douches et les bains. Je crois que je me suis arrêtée à là, désolée. Parce que je me suis arrêtée en pleine phrase. Du coup, c'est horrible quand je fais ça. Mais dans les autres parties, celles qui sont mixtes. Et on est habillé comme avec une tenue fournie par l'endroit. Je vais juste dire un truc. Il y a certains mots que je vais... pas dire encore une fois pour la survie de cette vidéo. Un genre de pyjama avec un grand t-shirt et un short. Donc tu n'as rien à craindre. Elle me fait un clin d'œil. Bon. Non, oups. Ouais, bon. Je pouvais pas me tromper. À moins que ce soit en réalité et pas de la crainte, mais de l'espoir. Après tout, on y sera avec ce Sœur Star et tu... Je suis la baïonne d'une main avant qu'elle ne puisse en dire plus. Non, mais franchement... Il arrive à ce moment. Vous faites quoi, les filles? Agnès surgit tout près de nous, les cheveux dénoués et en désordre sur les épaules. Heureusement que nous parlions en français, il n'a pas dû comprendre les choses qui viennent d'avoir lieu. Et Manager Man s'est éclipsé entre-temps. Ouais, c'est vrai, vous faites quoi? Colin fait son apparition à son tour en t-shirt et une serviette autour de du cou. C'était la même chose, quoi, je me suis arrêtée. Comme on pouvait s'y attendre, Claire ne perd pas cette occasion. Notre cousine meurt d'impatience d'aller dans les bains. Ah, c'est vrai que c'est cool. Colin ne fait pas montre du même enthousiasme. Ah oui. Letty a un ton qui me semble un peu dubitatif, tandis qu'il examine mon visage comme pour le sonder. Je sais plus. C'est pas exactement ça. Colin laisse échapper un petit rire. C'est bien ce qui me semblait aussi. Mais c'est quoi alors? Sa nudité? Plus dans ce goût-là, oui. Je sens que je m'empourpre encore davantage. Mon cousin pourtant me sourit et Aniel fait de même. Ça passera vite, t'en fais pas, tu t'habitueras. Puis être nu, c'est plus... Ça me fait rire parce qu'il est tellement perché et je m'attendais pas à ce qu'il dise ça, j'avais totalement oublié. Vous croyez que moi je me souviens de A à Z du jeu? Bref. Et puis être tout nu et plus hygiénique pour se laver, etc. Ça me stresse à chaque fois de voir etc. En entier, pas contracté. Donc c'est mieux. Je ris à mon tour. C'est pas faux en effet. Donc tu vois, tout se passera bien et puis Claire sera avec toi. Ouais, compte sur moi, Mina-chan. Je ne te jette pas... Je te jette pas ça dans la fosse à lion. Elle mime des griffes avec la gueule ouverte d'un fauve. Cela achève de détendre complètement l'atmosphère. Alors que Colin, qui vient d'enlever la serviette éponge de sa nuque, fait mine de tourner les talons, Claire et attrape son poignet. Et toi, ça va au fait? Tu nous as fait un peu peur tout à l'heure. Sur scène. Angel m'a dit que tu n'avais pas beaucoup dormi la nuit passée. C'est vrai? J'attends anxieusement sa réponse. Il nous sourit d'un sourire au contour un peu crispé. Je trouve qu'il a d'ailleurs l'air fatigué. Et il est un peu pâle aussi, maintenant qu'une partie de son maquillage a été suivie de son visage.
Faut pas vous inquiéter comme ça. Comme vous le voyez, je vais bien. Juste un petit coup de mou soudain. Un petit éblouissement. C'est comme une chaîne a dit, et il est bien passé pour savoir puisqu'il est avec moi. On a répété jusqu'à très tard la nuit dernière pour que tout soit au poil pour le show. Mais je vais me détendre au bain et puis bien dormir. Après cette bonne nuit de sommeil, il n'y paraîtra plus. Cette fois, ce sourire est éblouissant. Donc n'y pensez plus. Je vois bien que Claire n'est pas du tout à fait... n'est pas tout à fait convaincue, mais elle laisse tomber. Je n'ose rien demander non plus. Non, on va le laisser tranquille. Colin, quant à lui, nous laisse afin de poursuivre sa route vers un autre recoin de la loge. Je sais pas lire. Vraiment, c'est très chiant. Il sourit toujours, mais je trouve que c'est ce sourire un peu le surjoué tout de même. Êtes-vous prête à partir? Claire se retourne vers Manage Urban qui a son téléphone à la main comme d'habitude. Toujours. Il me regarde également en quête de ma réponse. Toujours aussi. Le manager de Sir Star nous sourit à son tour. Colin vous fait confiance, vous êtes de sa famille et c'est pour cela que vous nous accompagnez maintenant. Mais je voudrais vous demander de porter une attention particulière, ne pas dévoiler plus tard l'adresse où nous nous rendons. Les extérieurs n'y sont normalement pas admis. Ce sont des bains réservés aux membres de notre agence et d'une agence amie. Ne s'y trouvent que les employés, les idols, les trainees en formation. Tous des gens qui ont signé un contrat de confidentialité. Cela permet de garantir l'intimité de nos stars qui ont bien le droit de se détendre elles aussi, sans devoir sans cesse être sur le qui-vive. La dernière chose que nous voulons est d'avoir des fans ou des journalistes qui essaient de rentrer dans l'établissement. Je comprends très bien. Je n'ai pas raison de dévoiler ça à quiconque. Vous pouvez compter sur nous. Merci. Nous partons dans 5 minutes maximum. Alors que Manager Ban s'éloigne pour donner le signal du départ à chacun, Claire bat des mains. Nous voilà encore VIP! Mon cœur en tambourine dans ma poitrine. Jamais depuis Paris je n'aurais pu imaginer avoir un jour droit à tous ces instants privilégiés. Même en sachant que j'allais rencontrer Sir Star via Claire, puis Colin, je ne suspectais pas de pouvoir rentrer autant dans leur quotidien. Dans des moments aussi privés et qu'on me fasse confiance avec leur intimité d'être humain. Si tu veux, je te pince, tu n'as qu'à demander. Au murmure malicieux de ma cousine, je m'écarte d'un pas. Non, merci, ça ira. Bon, on y va, là. Tu vas pas commencer, toi. Hein? Parce que... Hein, tu te connais, maintenant. Je vais t'esterner. Hein? Mon jean en t-shirt, ses mèches humides, plaquées en arrière, et Gia s'impatiente. C'est quand même fou qu'il faille une demi-heure pour changer. Oui, allez. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Ses yeux tombent ensuite sur moi. Tu parais agacé, non, sans blague. Non, on est prête. Ouais, ça fait du bien de voir qu'il y en a qui se lombinent pas. On sait qui tu vises et ça devient chiant. J'aime voir un sourire clair. Un de ces sourires qui ne font pas que passer. Qui ne font que passer comme un éclat de lumière sur du métal. Tout de suite après que son visage se ferme, témoin de son énervement intimidant. Je me dois cependant d'être honnête avec lui. En même temps, on ne devait pas se démaquiller, se changer, donc c'était plus facile pour nous. Même, on est censé avoir un leader qui active son monde, ou un manager. Ils sont là pour ça, tous les deux. Mais fallait être leader, oh. Il l'a dit à haute voix, suffisamment fort pour que les deux intéressés non loin l'entendent. Bon, moi, il assume. Mais bon, ta gueule quand même. Aïe. J'ai soudain envie de me faire toute petite. T'inquiète pas, tu l'es déjà. À côté de moi, Claire, qui n'a pas dû apprécier qu'on critique son frère, fonce les sourcils. C'est bon, Jonah, on n'a pas 5 minutes. On n'est pas à 5 minutes près non plus. La voix de mon cousin est sèche.
Et on y entend une irritation que lui non plus ne cherche pas à masquer. Ah non, parce que 5 minutes plus tôt, au lit, j'en connais à qui ça ferait du bien. Je suppose qu'il fait référence à cet éblouissement de Colin au concert après une nuit de répétition. Colin passe une main dans ses cheveux et le visage tendu. De toute façon, on y va maintenant. Manager Ben suivi de Huntian et Ginny qui étaient partis vaquer je ne sais où. C'est vrai que c'est pas où ils étaient. Rejoignent notre petit groupe près de la porte. Le van nous attend devant la sortie de secours et la sécurité en stand-by. Quelqu'un t'a vu Aniel? Colin fait entendre un claquement de langue agacé. Il était là il y a une seconde. Je suis ici, vous inquiétez pas. Tu sais, lui, il était là, assis par terre, en train de dire. Qu'est-ce que je fais dans ce groupe déjà? Le visage de Sir Star, toujours souriant, nous rejoint près de la porte de son pas gracieux. Parfait, en route. À cette impulsion de manager Ban, tout le monde se met en branle pour quitter les loges. Colin et Gia restent à distance l'un de l'autre sans se regarder, très loin de la complicité qu'ils évoquaient sur scène. Après un court trajet, manager Ban et les 5 garçons sortent du van banalisé et s'engouffrent dans le bâtiment aussi vite qu'ils le peuvent. Ils ne veulent certainement pas se faire reconnaître. Ce qui explique aussi les capuches et les sweatshirts, relevés sur les crânes malgré... Là, j'ai vraiment buggé sur crâne, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Pour ma part, je lève la tête vers la façade de l'immeuble, tout de même un peu intimidé, oui. Ça ne passe pas dans les airs, mais en sous-sol. En Corée, pour maximiser l'espace, on utilise tous les niveaux des constructions, même en dessous des pieds. Je regarde ma cousine et secoue la tête. C'est plus cette histoire de nudité encore, on va dire ça. Je sais plus ce que j'avais dit. Il n'y a pas à dire, ça m'intimide vraiment. Je te promets que ça passera vite, promesse de cousine. Je demande qu'à la croire, mais passer outre l'appréhension n'est que pas simple. Claire carque tout d'un coup un sourcil. Au fait, Mina-chan, tu n'as pas tes règles aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Parce que je n'avais pas envie que... Bon, ça nous aurait évité et tout ça, mais... J'ai envie de voir le moment avec Ginny ici, parce que du coup, j'étais avec Aniel la dernière fois. Ouf, car sinon, on n'aurait pas pu aller dans les bains. C'est considéré comme non hygiénique, même si on porte un tampon. Ils vivent encore au Moyen-Âge ou... Tu me diras, c'est un peu partout pareil. Hein. J'aurais été si déçue de devoir rebrousser chemin que je loue le dieu du cycle menstruel de m'avoir fait éviter ça. Waouh! Quelques secondes plus tard, nous poussons la porte de l'établissement, Claire la première. Mon cœur bat avec appréhension. Ah, vous voilà, je venais vous chercher car nous ne voyons plus derrière nous. Les garçons sont déjà en bas. Je fais venir à l'accueil qu'on vous laisse entrer. Venez. Comme Manager Ban nous l'a demandé, nous nous dirigeons vers le comptoir à sa suite. Manager Ban échange quelques mots avec le préposé, lequel a des airs d'agent de sécurité d'argent. Putain, j'ai un problème, je crois. Il nous donne un bracelet waterproof qui fera office de clé pour notre casier. Et nous remet également à chacune une tenue bien pliée dans 2 tons bleus et une petite serviette. Allez, en route pour les vestiaires! De toute façon, dans 2 secondes, elle est à poil. Non, mais je le sais. Nous dirigeons vers on ne saura jamais. Bloqué par des tourniquets à côté desquels un nouveau vigile veille. Comme ma cousine devant moi, je scanne mon bracelet et passe les tourniquets soulagés. Jusqu'au dernier moment, j'ai eu l'impression qu'il y allait avoir un souci et je ne pourrais pas rentrer. Je suis encore ma cousine vers une salle dans laquelle de grands casiers s'alignent le long des murs. Ici, on se déshabille avant d'aller dans les douches puis les bains. Elle me fait un clin d'œil. C'est là que Athénien s'atteignir. On va dire que c'est ça, ok. Autrement dit, le moment est venu de se déshabiller avant d'aller prendre une douche en tenue d'Ève avec des inconnus. Cette phrase, elle me fait toujours autant rire. Quand je pense que ce sont les bains privés d'agences de K-pop, je me demande si je vais voir à nu des idoles féminines connues. Là, elle est là en mode. Je vais pouvoir mater qui? Non, je rigole, c'est bon. Calmez-vous. Nous commençons par nous déchausser et 2 secondes après, c'est bon. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. Non, je vous allez rien voir. Je me retrouve assez rapidement en sous-vêtements alors que ma cousine est déjà complètement dévêtue. Lunaire, tu es presque, Mina-chan.
Non, je pourrais pas. Allez, on fait demi-tour. Non, je rigole. Bon, quand il faut, il faut. Après tout, ça ne changera pas la face du monde. Et puis, pour l'instant, il n'y a que ma cousine devant moi. Nous nous connaissons bien à être tout le temps ensemble depuis que nous avons commencé nos études à même partager un appartement. Et puis ce n'est pas différent de l'époque où j'allais à la piscine avec l'école et où je me changeais avec les autres filles dans nos vestiaires. Un calvaire, cette chose. J'étais pas prête à la revoir. Tiens, ta serviette. Nous refermons ensuite nos casiers, mettons les bracelets clés à nos poignets. Claire m'attrape la main et m'entraîne vers les douches, ou plutôt des douchettes devant des tabourets. J'avais oublié que c'était très long. Tu en choisis un, tu t'assieds et tu te décrasses. Merci pour l'usage du verbe décrasser. Ma cousine hausse les épaules. Bah, tu n'imagines pas tout ce qu'il y a à faire partir entre les peaux mortes, la pollution et la transpiration. Regarde, il y a des pains de savon et du shampoing là-bas. Claire décroche une douchette, s'asperge d'eau avant de saisir un morceau de savon. Je m'assieds sur le tabouret à côté du sien et limite rapidement. Assise, c'est déjà moins pire. Deux jeunes filles arrivent dans la salle et s'installent sur d'autres tabourets. Elles nous jettent à peine un regard avant de recommencer à parler entre elles. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit, c'est normal, et tout le monde s'en fiche donc de la nudité des autres. Après quelques minutes à me savonner, j'ai l'impression d'être propre. Et donc j'éteins la douche. Tu as déjà fini, ce n'est pas possible, tu n'as pas dû y aller à fond. À ma grande surprise, alors que d'autres femmes s'installent tranquillement autour de nous, Claire se met debout dans mon dos. Je vais te frotter comme il faut. Ok, tu insistes. De toute façon, si tu ne le fais pas, un inconnu viendra sans doute te le proposer. C'est comme ça ici, on se traite pour décaper le dos. Il faut te nettoyer méticuleusement en profondeur pour ne pas ramener d'impuretés dans les bains. Claire a saisi une sorte de gant de toilette qu'elle entreprend de passer avec une grande vigueur sous toute la hauteur de mon dos. J'ai l'impression de sentir ma peau qui part avec chacun de ses mouvements. Aïe! Tu vas m'écorcher vive? Sois un peu plus délicat, je te prie. Ma fille, si tu ne supportes pas ça, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps sur la table de gommage. J'ai pas dit que je ferais de gommage. Tu rateras la possibilité de tenir une belle peau douce et lisse comme les Coréens. C'est pas mon problème, écoute. Cette fois, je vais pas le faire. Je hausse les épaules tout en remarquant que deux jeunes filles de tout à l'heure, des académiciennes chez OP, font comme nous. Au bout de 2 minutes, pendant lesquelles j'endure le traitement brutal de ma cousine de la nuque aux fesses, elle rince enfin le gant de toilette. Voilà, j'ai fini. Tu m'auras l'appareil? Bien sûr. L'occasion idéale pour me venger. Peu. Tu ne seras jamais à la hauteur du frottage violent de ma grand-mère paternelle, alors je te crains pas. En riant, je me lève de mon tabouret et m'acquitte à mon tour de ma tâche. Graduellement, ma gêne d'être nue au milieu d'autres femmes dans le même état diminue. Merci, Minotian. Alors, tu veux un gommage ou pas? Si oui, c'est par là-bas. Elle tend la main paume ouverte vers une dame âgée en sous-vêtements qui passante à côté d'une table de massage. Non, ça ira. Je me sens déjà suffisamment décapée par Claire comme ça. Et en plus que ce soit une inconnue qui s'en charge, je ne donne pas très envie. D'accord, alors directement dans les bains. Claire m'entraîne dans une autre salle très vaste, dans laquelle de nombreux bassins sont creusés. Pas mal de femmes s'y prélassent, très jeunes ou plus âgées. À notre entrée, à l'exception de deux ou trois qui nous suivent d'un regard plus appuyé, toutes paraissent indifférentes. Certaines ont noué leurs serviettes sur la tête. La technique de la tête de mouton. Je ne reconnais personne de célèbre, mais il faut dire que je ne connais pas très bien les groupes d'idoles suisses. Ici, un bas à 38 degrés, ce sera parfait pour commencer. Nous déposons nos mini-serviettes sur le bord afin de ne pas les mouiller en entrant dans l'eau chaude. C'est délicieux. J'ai l'impression d'être au paradis, que toute tension et tout stress me quittent. Après quelques instants, Claire nous fait changer de bassin pour nous immerger dans une eau à 40 degrés. C'est chaud! Oui, mais c'est ça qui est bon. Les garçons font de la même chose de leur côté, tu crois? Oui, c'est bien pour ça qu'ils sont venus. L'eau chaude doit détendre leurs muscles mis à rude épreuve par la danse et le show. Et puis un concert comme ça doit être beaucoup de pression. Alors c'est aussi très bien pour faire
Pour la faire retomber et détendre l'esprit en plus du corps. Je vois ce que tu veux dire, c'est hyper agréable en effet. Durant une bonne vingtaine de minutes, ma cousine et moi alternons les bassins. Eau chaude, eau froide, 18 degrés, eau remplie d'eucalyptus, puis retour à l'eau à 38. Je peux nier que cela fait beaucoup de bien et apaise énormément. C'est comme si tous les tracas avaient été mis à l'écart. Bon, et si on allait rejoindre mon frère et ses amis dans les saunas? Comme ça. En fait, le fond son, il me fait rire parce qu'elle va. Ouais, non, vas-y, on va dire ça. Je me mets debout dans le bain et avance d'un pas décidé vers les marches qui me permettent d'en sortir. Ma cousine me surveille en sous-cap. Nous nous séchons tant bien que mal avec notre serviette à dépôt. Nous retournons ensuite au casier où nous avons rangé nos vêtements pour extraire le t-shirt et le short adéquat. Claire, on met ça à même la peau ou on remet nos sous-vêtements? Comme le but des tétanos est de tuer, c'est mieux de ne pas en mettre. Sinon, ça va pas être très unique, ça va coller tout ça. Moi, j'en mets pas. Et beaucoup d'autres gens non plus. Après, les filles avec des poitrines qui ont plus besoin de soutien que la mienne gardent leur soutien-gorge, je pense. Pardon de me faire rire. Non, bah, de toute façon, même que tu aies une grosse poitrine ou pas, t'es pas obligé forcément d'en mettre. Donc, non, on va mettre ça comme ça. Bah, j'ai pas dit que t'étais plate non plus, hein! C'est pratique d'être plutôt plate dans ce genre de cas. Une réalisation de fracasse alors sur mon esprit tandis que j'enfile mon t-shirt bleu. Ça veut dire que les garçons ne portent pas de sous-vêtements non plus sur leurs shorts? Claire me fait un clin d'œil. Bonne déduction! Je tout saute. Heureusement, ma cousine referme déjà son casier avec fracas prête à partir vers la zone mixte. Elle brandit l'éventail reçu avant le concert avec la tête de son frère. Allez, j'ai hâte de retrouver mon youyou. Une fois de plus, je marche sur les talons de Claire qui n'a pas son pareil pour se répéter en ces lieux. Je ne peux que supposer que la structure des bains publics est grosso modo similaire partout à Séoul. Nous passons à côté des fauteuils de massage puis de vélos d'appartement. Plus loin derrière, j'aperçois des engins de musculation. Il y a de quoi faire ici? Oui, on peut passer toute la journée, c'est très chouette. Même si je ne sais pas trop si avec leur planning chargé, les idols peuvent vraiment se le permettre. Nous arrivons ensuite à la zone des saunas, un étage plus en bas. Il semble y en avoir un certain nombre, chacun avec des propriétés différentes indiquées sur les portes. Les filles! Accent naturel désormais en elle surgit devant nous, un sourire aux lèvres. Ses cheveux sont dénoués, coiffés en tresses. L'âge qui tombe mollement sur ses épaules. Anel a son smartphone en main. En le remarquant, je remarque aussi la cicatrice étendue sur plusieurs centimètres qu'il a au poignet gauche. Venez nous rejoindre, on est dans la salle de Jade. De Jade? Oui, car le Jade, je ne sais... a je ne sais plus quelles propriétés qui sont bonnes pour la santé ou bien pour le moral. Il y a aussi une salle à l'améthyste, un sauna au sel et... Ils ont tous des effets différents, mais je ne saurais pas te dire lesquels. D'accord. Bah, tant que ça fait du bien. Nous suivons Anel jusqu'au sauna qui nous indique. Lorsqu'il pousse la porte, je m'attends à voir un mur, sol et plafond étincelés. En pénétrant dans la pièce où règne une douceur chaleur. Une douce chaleur, j'en ai réalité plutôt l'impression d'arriver à une pyjama party. Ça me rire parce qu'à chaque fois, Ginny, il est là. Piou! Pardon. En effet, tout le monde assis sur les bancs de Jade porte l'uniforme de l'endroit avec des airs de pyjama short. Je me rappelle que les garçons sont nus en dessous et je me transforme totalement au coquelicot. Un coup de chat, Mina-chan, totalement. Mon coup, mais avant que je n'ai le temps de lui rétorquer quoi que ce soit. Ça vaut mieux que j'en ressemble ou bafouiller. Attends, Mina-chan, je vais t'éventer. Annette tend la main vers ma cousine pour qu'elle lui remette son éventail. Et il entreprend de l'agiter sous mon nez. Viens, on va s'asseoir, tu seras mieux.
L'esprit un peu vide, je suis Aniel et prend la place entre lui et Dini sur un banc. Ça fait oublier qu'on est entre lui et... Ah ! Ok, je respire. Elle continue de m'éventer avec application. La scène est complètement surréaliste et j'hésite entre avoir envie d'étrangler Claire ou avoir envie de l'embrasser. Ma cousine s'est installée à côté de son frère et elle passe un bras autour de son cou. Oui, j'aime bien cette image. Bon, j'ai déjà les deux, mais... Ah non, j'en ai pas une. Dommage. J'aime trop cette image. Juste admirer, voilà. Je vous laisse un peu, voilà. C'est bon, on peut y retourner. Non, c'est trop mignon. Ça va, Yu? Tu te sens un peu revigoré? Oui, je me sens beaucoup mieux. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir repris de ses couleurs. Et mon inquiétude le concernant me quitte. Je serais bien resté plus longtemps dans les bains, cela dit. On doit presque les traîner hors de l'eau chaque fois. Jia passe les doigts dans ses mèches noires pour dégager son front. Il a ôté ses bouts d'oreilles et étoilées. Attention. Mystérieux. Il n'a plus l'air irrité comme lui. Il était dans les loges. Et je ne perçois plus de tension entre Colin et lui. C'est pas pour rien qu'on l'a mis en train de nager sur certaines photos promotionnelles de notre prochain album. C'est vrai qu'au début, ils en parlent. Oh. Ils étaient si loin de tout ça. Aussitôt, ma fille de fan est titillée par cette révélation. C'est une vraie bouquin, ça va être plus. Non. Je vais quand même redire ça. J'ai un petit sourire en coin, tandis que son regard perçant se pose sur moi. J'ai pourtant déjà de divulguer une information. Notre nouvel album s'appellera Utopia, mais il ne faut pas le dire hors de cette pièce. Pour que tu nous prends, tu nous connais, Mina-chan et moi. Oui, c'est pour ça que je viens de dévoiler ça, alors t'emballe pas. À ce moment, la porte s'ouvre sur manager Ban, lui aussi en pyjama short bicolore. Phil me demande si les garçons vont se censurer devant le manager. Manager Ban s'assied sur un coin du banc après nous avoir souri. Et je vois que Claire la suit d'un regard apprécié. J'aimerais trop qu'elle nous fasse une remarque en mode eh. En fait, il y aura deux versions d'album. Une version jour qui sera la version normale. Et une version nuit, exclusive limitée en nombre d'exemplaires. Ça veut dire que tous les fans ne pourront pas s'en procurer une? Non, car elle sera très limitée. Quelques milliers d'exemplaires seulement. Oh! C'est dommage pour ceux qui n'en auront pas. J'espère que j'en aurai une. Je vais dire ça. Comme ça. C'est pas déterminant, du coup. Mais ça me fait rire. On verra ce qu'on peut faire. Ah, du coup, bah, j'ai l'autre image, je suppose. Oh non, j'ai l'image de Manager Ban. Ah oui, c'est vrai. Je vous laisse admirer aussi parce que je l'avais pas eu. Voilà, j'ai complété mes illustrations. Admirer Manager Ban. Voilà, je pensais que c'était l'autre. Bah non, j'ai eu les illustrations. Mais j'avais totalement oublié qu'elle avait aussi... Manager Ban qui a levé les yeux de son téléphone me sourire comme s'il donnait son assentiment. En tout cas, j'en connais deux qui vendront absolument la version nuit exclusive. On a rencontré deux fans dans la section VIP. L'une d'entre elles m'a dit te dire, Yu, que tu ne devais pas t'inquiéter pour votre nouvel album, justement. Car les comètes le propulsent en haut des chars. Charts. C'est quoi ça? Charts. Oui, c'est pas char. La dernière fois, j'avais dit char. Oh, je suis trop bête. Mais c'est charts, putain. Hey, j'étais vraiment pas très intelligente. Hein. Colin rit, c'est gentil de sa part. J'ai pas lu, j'ai cliqué sans lire. Nos fans sont quand même formidables. Sans faiblir, Aniel agite toujours le morceau de plastique devant moi. Avec autant de grâce qu'il semble faire toute autre chose. J'en profite pour monter. En vrai, je ne l'oblige pas à le faire. Et puis parfois, il s'évente lui-même ou Ginny de l'autre côté. Pour que chacun puisse en profiter. Du coup, je vois son bras passer comme ça. Elle aurait été capable de dire ça. C'est la m'évite de me sentir coupable lorsqu'il fait voler l'éventail devant moi. Sinon, pour revenir au concept de l'album, vous verrez que c'est très conceptuel, très symbolique. Mais quel est le rapport entre la natation et Colin et le jour ou la nuit? Jia sourit de son sourire qui ressemble à une lame. Vous verrez sur les photos. Sinon, j'ai une idée de concept qui irait bien pour mon frère. Les tritons, sirènes, tout ça. À côté de Colin, il me tient ouvre la bouche, mais il la referme très vite ensuite sans rien dire après un regard de
Harvey regarde en direction de Gia. À côté de moi, Ginny m'adresse soudain la parole d'un ton gentil. Ça te plaît pour l'instant, ces bains? Beaucoup, oui. Bah, du coup, je l'ai aussi. Voilà, oh. J'avais oublié. Ok, on respire. On y retourne. Vous venez souvent ici? Ouais, quand même, quasi chaque fois après les concerts, ça nous détend. Et puis, comme l'endroit appartient à l'agence, on sait qu'il n'y aura pas de fans ou... Et on peut se relâcher, vous. Contrairement à une boîte de nuit, par exemple, où c'est devenu difficile pour nous de nous rendre. Oui, évidemment, je comprends. Faut que vous testiez aussi la pièce frigo, les filles, ça fait du bien après être resté au chaud. Jess se met debout et se tourne vers moi. J'allais justement y aller, car je commence à crever de chaud, tu peux venir avec moi si tu veux. Je préviens déjà que, perso, je reste avec mon frère. Je vais le coller et... Où qu'il y aille. C'est moi pas dans le frigo. Je vais que là où il fait chaud. Moi, je vais aller chercher quelque chose à boire car je n'aime pas rester trop longtemps au même endroit. Et vous? Jette un regard interrogateur à Imchan et Ginny. Je crois que je vais faire un tour dans la salle de celle de l'Himalaya. Moi, je vais aller voir Ushu. Ushu? Le chat résident. Et toi, alors, Minachan, tu vas faire quoi? Ah oui, c'est pour ça que son sac, il a un chat. Je comprends, du coup. J'aurais bien aimé avoir un règlement avec Kim Chan, mais... Ginny? Ginny ne dit rien et se contente de me sourire alors que je me lève comme lui pour le suivre en dehors de la pièce. Nous nous retrouvons tous les deux dans le couloir et j'emboîte le pas aux danseurs vers un autre sauna. Tout est rose, orangé et j'ai l'impression que l'atmosphère est un peu différente de celle de la pièce de Jade. Ginny s'allonge de tout son long sur un banc. Et je m'assieds à un mètre de ses pieds. Je peux pas lui donner l'impression de le coller ou de l'étouffer. Ginny a fermé les yeux et je me demande s'il va dormir. Je sais plus si je lis. Ginny a fermé les yeux et je me demande s'il va dormir. Tu te fais pour l'instant en Corée du Sud? Ça me surprend d'autant plus qu'il a toujours les paupières baissées. Oui, beaucoup. J'adore tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Tant mieux. Je suis pas bonne, moi, de l'ouvert mignon. Il sourit comme s'il était sincèrement content que j'apprécie son pays. Puis, puisqu'il garde les yeux fermés, je m'autorise à l'observer sans non plus me tourner complètement vers lui. Ça, j'imagine la chaîne là, si elle est comme ça, penchée au-dessus de lui. Et là, il ouvre ses yeux. Pardon. Sa frange tombe sur le côté qui dévoile l'œil et qu'elle cache d'habitude parfaitement semblable à l'autre. Son visage était détendu avenant sous sa peau hâlée. Je peux demander quelque chose, Ginny? Jin Seong, je préférais que tu m'appelles comme ça en privé. Il a dit très gentiment. Toujours sous un vrai désir, je n'ai pas de raison de lui refuser. Oui, pardon. Demande-moi ce que tu veux. Ok. Non, je rigole. Excusez-moi. Je me suis un peu emportée. On va se calmer, c'est le début. Je ne vais pas me priver, puisqu'il m'en donne autorisation, car il est d'un abord si mystérieux derrière son affabilité. La question que j'avais à lui poser n'était cependant pas très personnelle. Tu me recommandes d'aller faire un tour sur Jeju? Je sais même pas toujours comment ça se prononce. Tu en viens, n'est-ce pas? Ginny ouvre les yeux. Oui, et oui, je le recommande. C'est une île très jolie, avec plein de belles choses à voir, surtout la nature. Ton île te manque parfois? Oui, tous les jours. Mais je n'ai pas envie d'y retourner. Je suis un peu interloquée par cette réponse qui me semble dire une chose et son contraire. Mais déjà, Ginny me pose une question à son tour. Tu sais que je t'aime, toi? Toujours parfois jeux vidéo? Oui. Toi aussi, n'est-ce pas? Ouais, ça me détend. Comme que là aussi, on fait parfois des parties quand on n'est pas trop fatigué. Ça vous arrive parfois? J'ai employé un ton taquin, mais Ginny me répond d'un ton sérieux. Quelquefois. Il se redresse ensuite sur un coude et me sourit d'un sourire lumineux.
Faudrait que tu viennes faire une partie avec nous un de ces jours. Oui. Oui. Oh, c'est gentil, j'adorerais. C'est ton activité préférée pour te détendre? J'aime aussi beaucoup faire du yoga aérien et quand on est dans des aéroports, regarder décoller des avions. On n'est pas toujours dans un aéroport, donc ça limite les fois où je peux le faire. Il sort à nouveau de son sourire lumineux qui paraît laver le sérieux de certaines de ses réponses. Le yoga aérien, c'est quoi? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est un peu comme la danse que j'ai faite durant le concert, mais avec moins de mouvements, bien sûr. C'est prendre des poses de yoga tout en étant suspendu à des rubans. Tu as l'air de beaucoup aimer tout ce qui est aérien, entre la danse aérienne, le yoga aérien, les avions. Mon élément préféré, c'est l'air, c'est vrai. J'aime la légèreté, sentir ou imaginer que je ne pèse rien. En tout cas, durant le concert suspendu de ces rubans, tu avais vraiment l'air d'un oiseau. Et c'était magnifique. C'est surtout beaucoup de travail, tu sais. J'imagine. Mais avec beaucoup de travail, je ne pense que je ne pourrais pas avoir l'air aussi gracieuse et aérienne que toi. Pardon, j'ai des images de. J'ai des images qui me pourrissent dans la tête à chaque fois qu'elle dit un truc. Beaucoup, beaucoup de travail. Si tu veux un jour, je te montrerai plutôt le yoga aérien, peut-être. C'est quoi cette hésitation, bien sûr? Ce serait plus simple pour commencer si tu veux essayer. Je me sens heureuse qu'il me propose toutes ces choses comme si nous étions souvent amenés à nous revoir et à devenir amis. Je me sens à l'aise avec Ginny, si plein de simplicité et de gentillesse. Il a un côté accessible, même si celui-ci n'est qu'un leurre, puisque derrière, il reste tout de même très énigmatique. Mais c'est facile de le côtoyer et de bavarder avec lui, et je me sens bien en sa compagnie. Tu ne t'ennuies pas? Non, pas du tout. J'apprécie de discuter avec toi. C'est gentil. Je sais pourtant que je n'ai pas la conversation de Juna ou l'imprévisibilité amusante de Taeyong, par exemple. Taeyong. Jun. Jia est ton meilleur ami, n'est-ce pas? Je pense que lui aussi tu peux l'appeler Juna. Ah non, je pensais que. Je voulais dire. Oui, mais si nous sommes pourquoi? Diamétralement opposés tous les deux sur à peu près tous les points. Malgré ça, on s'entend très bien et je suis bien content qu'il soit là. Il a dit avec tant d'affection sincère dans la voix que ça me fait presque chaud au cœur comme s'il avait parlé de moi. Il passe une main dans son cou et je remarque qu'il ne porte plus la petite chaîne qu'on y voit souvent briller. Beaucoup de sites de fans ont déjà posté des photos de ce bijou que Ginny porte quasi en permanence sous ses vêtements. Il représente un trèfle à quatre feuilles, j'ai déjà vu des photos. Tu as enlevé ton collier pour aller dans les bains? Oui, pour ne pas que la su oui, pour ne pas que la sueur se mette dessous dans les. Je n'arrive pas à y. Tu me dis si tu me trouves trop indiscrète, mais tu as dit que je pouvais te demander. Et je ne crois jamais avoir lu la réponse nulle part. Ginny me sourit. Tu te demandes d'où vient ce pendentif? J'acquiesce. C'est ma mère qui me l'a donné avant de quitter Jeju pour aller à Séoul, à l'académie d'Open Entertainment. Oula! Comporter chance dans ma carrière. Il me l'a dit sans difficulté et je me sens infiniment privilégiée de posséder cette information qu'il n'a pas dite aux médias. Ginny garde d'habitude beaucoup de pans de sa vie privée pour lui-même, ce qui contribue à entretenir son côté mystérieux. Du coup, j'ai eu Ginny. Tadadam. Ah, il a un grand frère, je sais pas pourquoi. Enfin, je savais qu'il avait un frère, mais je sais pas pourquoi, je pensais que c'était son petit frère. Pourtant, j'ai quand même l'impression qu'il a, pour moi, un peu entrouvert à la porte. Après, je retrouve mes deux cousins dans le sonnage de Jade, qu'ils n'ont pas quitté. Il devait avoir tant de choses à se dire après une séparation d'autant d'années. Alors, Mina-chan, tout s'est bien passé? Elle est naturellement passée en français puisque nous ne sommes que nous trois. Oui, impeccable. Je m'assieds à côté de Claire sur le banc et sous le regard de Colin. Mon cousin est à moitié allongé contre le mur et il semble parfaitement détendu. Ils sont comme tu les imaginais alors? On va dire ça, oui, dans l'ensemble.
Elle était vraiment stressée à l'idée de les rencontrer en tout cas. Tu aurais dû la voir sur le chemin de votre appartement. Colari. Tant que ce n'était pas pour moi que tu stressais le plus, Mina-chan. Non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Je préfère ne pas m'apesantir sur la question. Tu aimes venir dans ce genre d'endroit, là? Oui, l'eau, la chaleur, c'est tout ce qu'il me faut pour que je me sente bien. Si ça ne tenait qu'à moi, je dormirais bien ici tout de suite. Tu as mangé? Pas encore, justement. Je suis très fatiguée, par contre. Ma maman, Anne Jorban, rentre dans la pièce, son fidèle smartphone entre les doigts. Et sourit à la ronde. On va rentrer à la résidence maintenant. Demain, le lever est un peu moins matinal que d'habitude, mais il faudrait que vous dormiez un peu pour récupérer. Colin soupire une noix dans les cheveux. Allez, tu seras bien dans ton lit aussi. Claire s'est levée d'un bond et Colin et moi l'imitons. Les autres sont prévenus? Oui, je leur ai dit qu'elle sera bien dans les vestiaires. Allons-y alors. J'ai l'impression d'entendre des regrets sourds à travers les mots de mon cousin. Mais il n'ajoute qu'un et je ne pose pas de questions tandis que je le suis dans les couloirs. Avant que nous n'ayons rejoint la zone où les filles et les garçons doivent se séparer, nous voyons J.A. revenir à notre rencontre n'a pas vif. Il est toujours en short mais torse nu, et il a l'air très énervé. Quelqu'un s'est servi dans nos casiers pour t'enfermer à clé, putain. Tintintin, c'est la fin de l'épisode. Enfin, de la fin de l'épisode du chapitre 6 et du chapitre 7. C'est compliqué avec moi. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!